Salut, c'est Aaron. Oh, et voici Captain Flirt, c'est que nous sommes nos champions, nous sommes trop pour une nouvelle aventure sur Pokémon XD. C'est la série à laquelle qui est mon premier, ma première série Pokémon. Quand je parle de Pokémon, c'est jeu Pokémon. Je parle pas des théories Pokémon. On s'entend. Et oui, la première vidéo, la première série à laquelle je fais un jeu. Je joue à Pokémon. Dans la dernière vidéo, qu'est-ce qu'on a fait? C'était quand même une vidéo quand même assez longue, plus longue que prévu, mais c'est pas grave, c'est le début de toute façon. Dans la dernière vidéo, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons été partout dans le laboratoire pour chercher du monde. On a été chercher elle, dont nous avons capturé un nouveau. On a capturé un Pokémon, Tedursa, et oui, j'ai un Eevee avec un Tedursa. Le professeur s'est fait kidnapper par je ne sais trop quel team. Ouais, mais j'ai ici le bras gauche, une main mécanique dont... on peut voir les Pokémon de l'ombre, les Pokémon entre suivant les Shadow Pokémon en anglais. C'est ça qu'on va pouvoir voir, ceux qu'on a, on va dire un aura. On va dire ça même. Qu'en pensez-vous? Ma sœur, là, elle va, je sais pas, mais si je me trompe, dans mes souvenirs, elle va me suivre tout le long. Ou peut-être elle me suivra tout le long, je sais plus finalement. Le sens dans mes souvenirs, elle me suivait, ma soeur. Pour la machine, la chambre, le magasin, qu'on va là, comme ça. Elle veut aller magasiner, elle. C'est ça qu'elle dit. Je voulais vous dire qu'elle me suivait. C'est quand même ma soeur. On s'entend. Je vous l'avais dit. On va sortir par l'entrée quand même, finalement. J'étais à la bonne place, je vais pas chercher, faire une recherche trop constamment. Tu sais, quand tu lis pas l'anglais, tu fais chercher trop parce que tu sais pas où aller. Ouais. Puis quand tu sais où aller, maintenant tu te souviens, puis tu sais par cœur où... qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Alors, qu'il n'y a pas de folle, je suis par cœur. Tu veux me donner des Pokéballs? Ça serait le fun ça. Tu me donnes des Pokéballs? Crâne, mémo, c'est quoi cette affaire là? C'est des mémos, ça c'est ça. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? D'abord, je comprends pas l'anglais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Attends. On va au port. Grand frère, regarde, regarde! La mer! C'est grand! Je me trompe pas, c'est ça que ça veut dire. On va aller magasiner. Hein, grand frère? Je
c'est n'importe quoi, je m'en fous. Ouch. C'est à peu près ce qu'elle dit. Maintenant... Désolé. Il a pas l'air d'être très amical, hein, celui-là. On s'entend. Mais loin de là. Je te batte, viens me voir. Moi je t'attends. Attaque pas ma petite soeur. Non, c'est pas ma petite soeur. Tu ne fais rien ma soeur, parce que tu vas en faire un moins. Oh, tu ris toi. Ah ouais. Tu dis que je prends ton Pokémon, ça me ferait plaisir. Oh. C'est qui eux? Quoi, il me défend? Mais je suis capable de débrouiller moi, j'ai fait un combo. Sangousse. Ouais. Il ne tient point un instant. Ah, que veux-tu? Va-t'en. Laisse-nous tranquille. Non, ce n'est pas nécessaire. On s'en va. Ok, messire. Allez, bye bye. T'as pris. On s'en va. C'est ça. Merci. Ça veut dire de pas comprendre des fois de hardly deserve sur gratitude. C'est quoi gratitude? Ah, le sens de la phrase, ça me rien dit. Mais c'est un nain cette affaire là. On s'entend, c'est un nain. C'est comme un petit nain de jardin. C'est vrai, maintenant on peut plus dire des nains, mais une personne de petite taille. Mais dans ce temps-là, à date que ça sortit Pokémon, on disait encore des nains, et non de personnes de petite taille. Alors, je vais dire que c'est un nain. Il manque juste le chapeau pour rendre un vrai nain de jardin. Ça, je vous mens pas. J'ai pas eu la chance de grandir autant. Bah, c'est que ça, pas grave. Oh my game capture. Bon, je sais que c'est à ma mémoire, faut que je vole dans ce coin-là. Je vais éviter des cinématiques. Je vais pas vous dire. Je vais faire le tour.
au complet pour aller chercher tout ce qu'il faut que je ramasse. Puis ensuite, je reviens. Emily, c'est son amie probablement. Javis! Est-ce que ça va bien? Moi, oui. Tu fais quoi ici? Je sais pas. J'accompagne mon grand frère marin. Ah, c'est plutôt... T'accompagnes ton grand frère marin, hein? Finalement? Eh oui, c'est fun! Ah, grand frère! C'est Emily, mon amie! Friend, c'est ça. Ma meilleure amie! Qui est... Emily! Tu sais, quand tu dis n'importe quoi parce que ce qu'on ferait, c'est ça. Mais je m'en fous. Je pense que je vais arrêter... Je vais pas... Je pense que je le répéterai pas assez. Virus, je sais même pas ce que ça veut dire. Assistante occasionnelle. Oh, t'es une assistante? Non, ma soeur est une assistante occasionnelle. Non, c'est ma soeur, elle va venir tout le long. Je veux pas qu'elle elle me quitte. Je suis son grand frère, qu'est-ce que vous pensez? Faut bien que je la protège, ma soeur, sa femme. Que voulez-vous? C'est ça la vie. Donne-moi un shiver. C'est mystérieux tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec Lugia from Primal? Mais qui c'est? Est-ce que ça le dit? Peut-être ça le dit que c'est un Lugia. Et pas, je sais pas, je comprends pas le régler. Emily! On s'en va. Ok, bye bye, je te vis. Bye bye, Emily! Bye bye à maman d'Emily! J'ai pas rapport. Un combat s'est enclenché. Wingull et Lothard. Qui est plus chiant, ce Teddy Ursia, hein? Ça a pas fait grand chose, hein, vous savez.
C'est quoi cette attaque là? Même pas mal. Sérieux. Marin. Ah, il me donne une cité. Je me trompe. Ah oui, je me suis informé. Sachez que, vu que c'est la troisième génération, le EV, j'ai 5 possibilités. Sachez que c'est à la quatrième génération qu'on peut avoir Glacian et Lefion. Puis, pour la troisième génération, j'ai 3 possibilités qui... Sylveon, Jolteon, Flareon, Umbreon et Espeon. C'est les 5 possibilités que nous avons comme accessibilité. Ça l'entendait en tête, mais je cherche. Et ouais, c'est les 5 possibilités que nous avons pour... j'ai la possibilité de faire évoluer. Je sais déjà en quoi que je veux faire évoluer. Ne vous inquiétez pas. Je vous laisse la surprise. Si je me trompe au capitaine ou à l'autre, d'évolution des UV. J'ai le choix entre Vaporeon, Jolteon, Flareon, Umbreon et Espeon. Même celui-là c'est de type Spi. Psy. Psychique. Ça c'est de type ténèbres, type feu, type électrique et type eau. Quoi prendre maintenant, vous me direz? Logiquement, Espeon et Umbreon faut attendre pour le faire évoluer. Mais dans ce cas-ci, dans ce jeu-ci, vu que t'as pas de... c'est pas la même méthode de fonctionnement, on enlève ce principe-là. Quel que je veux prendre? Je pourrais prendre électrique comme Pikachu. Je pourrais prendre feu parce que j'aime bien le type feu. Je pourrais prendre psy, mais ça m'intéresse pas de prendre psy. Et je pourrais prendre ténèbres, qui est quand même pas pire contre le type spectre ténèbres, bien sûr, évidemment. Mais je ne le prendrai pas.
Du coup, la deuxième génération de Eevee n'est pas pris. Dans l'évolution de Eevee, pour être honnête, celle que j'aime le plus, c'est Sylveon. Elle est celle de la sixième génération de type fée. Mais on est juste à troisième. Quelle des deux que je vais prendre? Oui, Vaporeon. C'est le Pokémon que j'ai choisi. Qui veut dire que j'ai une pierre haut. Je peux le faire évoluer en tout moment. Là, vous me direz. Mais pourquoi Vaporeon? Pour être honnête, pour les évolutions de la première génération, c'est que je trouve le plus beau des trois. Et je vais pas au type, je vais à celle que j'aime le plus personnellement, c'est Vaporeon. J'aime mieux Vaporeon que les deux, que Jolteon puis Flareon. Ouais. C'est par toute honnêteté. Mais mon préféré de toutes, ça reste Sylveon par contre. Je suis pas habitué avec du type presque à le mettre en type. C'est quand je commence un Pokémon 5ème génération Pokémon. Le plus beau, c'est que je trouve, c'est type O. La première fois que j'ai joué à Pokémon, que j'ai Pokémon Noir 2. La première fois que j'ai joué à Pokémon Noir 2, j'ai pas pris celui que j'aimais le plus. J'ai pris de façon stratégique qui était le cochon, le type feu. Littéralement. Voilà la... Il fallait aller le voir là. Pour débloquer ceci. Je ne me souviens plus. De vous voir une évolution aujourd'hui. On va s'en donner. Je vais pas m'abstenir. Juste à faire ceci. Non, c'est item par contre. Type O, utiliser pour une vie. Et voilà. Et voilà Vaporeon. Pour être honnête, Vaporeon, c'est pas le Pokémon qui est le mushroom de type O. Puis plante. Pas les meilleurs à prendre. Quand on commence avec un Pokémon, on a le choix entre type O, feu, eau et plante. Type feu, je trouve c'est si tu veux commencer bien et facilement, prends type feu. Type plante, si tu veux avoir un tout petit peu de difficulté, là, mais pas plus qu'il faut. Mais prenez type O. Si vous voulez avoir un petit défi de départ, prenez type O. Juste la perception que je vois ça, ok? En règle générale, qu'est-ce qu'on voit en premier? C'est des types insectes. Ou normal, bien sûr. Mais des types insectes. Type insectes, feu. Ils sont vulnérables au type feu. Les insectes, tout comme les herbes. Tandis que t'es type herbe, type plante, t'es à peu près égal. Type eau, t'es vulnérable. C'est vrai, type insecte. Par contre, type insecte, je suis pas sûr. Je vais être honnête, mais type plante, chaud. Puis on en retrouve au début, c'est type plante.
si je me trompe, c'est pas grave. Donc Quentin tente d'attaquer pour cette fois-ci. Allons-y. Musclé, hein, on s'entend. Zubat. Et Punchina. Ok. Punchina. Si je ne me trompe pas, j'aurai la chance d'en capturer d'autres. Ou je me trompe peut-être si. Mais on va laisser ça tranquille pour l'eau, mais... Logiquement...
Il est rendu où l'autre? Fallait aller voir lui. Ok, fallait aller voir lui littéralement pour qu'il vienne. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. Je regarde le temps. Oh, 50 minutes. Et mon dieu, je pensais pas que ça. C'est pas évident. Alors, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure parce que. Lors de continuer, j'ai pris de la force parce que moi je suis rendu en vacances. Les raids des vidéos, je sais pas si vont peut-être augmenter ou je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais je vous dis, je suis en vacances en ce moment. Puis je me suis arrangé pour que les vidéos puissent continuer encore. Ouais. C'est parce que je suis parti. Alors que vous voyez cette vidéo, je suis au camping en ce moment. J'ai juste mis, vu que j'ai du réseau, j'ai mis pis c'est tout. Et ouais. Alors pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de ces plus de jours, me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Pokémon XD. Alors pour ça, je vous dis... Merci à tous.